l'autre droit, monde pas capable, magistrat Luxon Janvier décide d'écraser tout ça qui construit sous trottoir et puis rentrer en place des artistes là, écraser toute notre vieille construction. C'est comme ça, Chan Masla réveillé pour matin. Hein. Bonjour Pierre-Renel René, bonjour Gaïe Dussel, bonjour Christophe Saint-Georges. C'est moi-même Mackenson Rémy qui va vous présenter comment la rue aille pour matin. Hein. En face du Palais National, à côté de 2004, c'est là nous sommes pour matin. Hein. On a observé Chan Masla qui est propre, côté et pas gagné. Et machin, machine camion et qui tout chaîne masse là, yon chaîne masse équilibre, place qui a essayé vider, avec monde qui a construit là-dedans, bonne décision qui prend pour capable de faire place des artistes, reprendre figure. Eh bien, graisse, et gâton, emboîté, c'est bagage ça qui compte faire image chaîne masse. Magistrat Alexon Janvier décidé de situer situation ça. Eh bien, et nous en face à l'ambassade de France là, pour que nous avons comme l'huile, graisse, écraser marinade, écraser poule, zopoule, zopoden, qui tourne à terre, et de cette façon, capable d'identifier asphalte là, c'est vous voyez image en masse pour matin. Magistrat Alexandre Javier nous a remarqué, Capville, Ronanville là, mais qui est capable peut-être avec nous tout à l'heure, parce que nous avons allé à peine déplacé. Et comment ça y est, trois axes qui connectaient avec Petionville, eh bien, axe ça y est, levé 12 par 8 Pierre-Renel Wenel, matin, côté de là, en face par les nationales là même. On va prendre tout petit bus pour monter Boudon, sans problème pour matin. Mais là, on va arriver à 5 belles vues. C'est fait noir total capital. Moun Makadje, Moun Delma 42, Moun Delma 32, il est en moins pour EDH. Il m'a dit capable de gérer question courant sur tous les soirs avec les matins pour eux. Donc, il y a une phase tout qui allait dans Delma 42, dans la zone Makadje. Population qui est en pile qui m'a dit pour EDH, fait zone ça. Allez essayer de résoudre le problème, non? Qui causait gros blackout total capital dans la zone ça. Comment ça y est? Soit sur Petionville, soit sur Badelma, privé jusqu'à Cafou Aviation, comme capable de descendre sans problème pour matin, hein? Eh bien, Cafou Aviation, il doit même traverser pour aller soit Jérémy, si il a besoin. Eh bien, matin, hein, et situation pas trop mal. Soit sur Petionville, parce que pas des bois, pour descendre maintenant, pour arriver jusqu'à Bataille-Léogane, tension 1, 12 par 8, eh bien, matin, hein, c'est en bas, tension ça, moi, monter monde, moi, descendre monde. Maintenant, sec, couqué pain, et la police lui-même, toujours là pour accompagner la population. Eh bien, sous commissaire Canavévia, dans un véritable peignoir, et en plus de la caoutte, dans sec belle sous boudon, en plus de la caoutte, dans la justice policière, toujours là pour accompagner la population. Dans Petionville, comment ça y est, magistrat a mis le décide de tout bon vrai pour capable de gérer quelque chose. Dans marché Petionville, là, magistrat a pris une bonne décision pour marcher, nous rentrer là-dedans. Il demande tout le monde qui prend pratique et prend abonnement fatalement, mais mon vide jeté dans Petionville, magistrat a dit la parité machine, il a besoin d'un gros bout de totalage pour capable de machine ça. Donc il y a un petit citoyen qui prend abonnement fatal, qui a jeté dans la zone résidentielle dans Petionville, magistrat a demandé mon pour capable finir avec pratique ça. Comment ça y est dans le sud capital là, machine qui a sorti Mergé, Sigouave, Grand-Gouave, Léogane, Fontamara, Matissan, a passé paisiblement matin dans la route nationale numéro 2. Machine sera bien pour venir établir quoi dans le portail de Léogane. Côté admettre mon attention, le portail de Léogane qui levait 12 paris pour matin. Côté plusieurs bus à charger pour aller à la caille pour Gagé Gessel dans Jacmel. En même temps, il y a un peu le tout et à charger pour aller au caille. Il y a laqué avec première occasion qui tout le route là avec grand tout là, qui prend route nationale numéro 2. Et bien sûr, grand oui, il y a un bus à charger pour aller Jérémy. Et bien sûr, les arrivées tout climatisées, vous allez voir si dans un oui pavé avec Union Bus. Comment ça y est pour nos capitales là, machine qui a sorti Canara 50, Canara 70, Corail, Jérusalem, et bien machine Sayo a passé sur route 9 sans problème pour matin. Machine Sayo a bien pour passer sur route nationale numéro 1, a bien vu tomber, zone spéciale, il y a bien mettre mon tête directement dans l'entrée factoria. Mon Sayo, pas oublier laver, mais nous mettez cacheté, parce que maladie qu'on a vu, ça me dit, ça lui toujours là, il me connaît toujours. Donc, pas pour des négligences, des machines pour passer sur route 9 là, c'est problème. En plus, là, de la vie, bon, c'est plus d'Haïti, il y a déjà viré, bon, les gars, qui va se dire sur route nationale numéro 1, crasé, sale, coupé, incident, faut que mes riches de soleil de VPL, parce que zone, bon, là, qu'on a presque disparaît, ou de la crasée, vieille de l'eau. Donc, sous-commissariat Kazoa, c'est en bas, et difficulté, police à travail. Vous êtes jeune sous-commissariat à Casa, vous avez bon bas bimnan, c'est en plus de difficulté. Et vous avez jeune bon bimnan pour passer par vite boyer, pour aller zone bon repos, en bas de difficulté, zone ça fait ma couloque. Ce côté, bon, dit qu'il y a un pile problème dans zone vite boyer, côté population, on dit la police, capable d'accompagner. Non, fait, ma chaîne, vous déjà pris la rue, ma chaîne qui descend avec motocyclette, pour capable de prendre la rue, ma chaîne qui descend avec denrée, et de voir le théâtre, ma chaîne Cocoyac, ma chaîne Télélé,
marché Cocoyer, marché Télélé, vous nous commencez à mettre à terre sans problème. Vous êtes capable de sortir directement dans marché Cocoyer, ou à dire pour courir là. Donc, à Fou Académie, plusieurs petits avions commencent à changer, vous allez directement dans la zone Cafoufeyo. Et le Cafoufeyo, c'est là même. Marché Cafoufeyo, vous allez quoi des bouquets, vous allez vous faire pif et noir pour l'autre. Devant Marassa Maquette, la police toujours là pour accompagner la population. Magistrat Alexandre Janvier, du Foc Port-au-Prince, lui-même reprend le visage, lui, magistrat, depuis 4 jours avec Abouet, est-ce que Mounio a balle Panzou, dans le champ de masse, il fait une magistrat, son plaisir, vous voyez, Magistrat Janvier, matin, vous croisez avant, vous voyez, comment ça a été décidé de s'en prendre, pour déblayer le champ de masse, qui est-ce qu'on pas peur, machin va lever comme ça, ce qui a pris le monde tout, car il est décidé de ça, en plus, il n'y a pas le visage de champ. Bon, moi je pense que moi pas gros qu'il y a pour moi faire parce que ça m'a fait il pas gain un de mal là-dedans que mon travail m'a fait je dis à mon capable pas ta comprendre ça m'a fait mais puis devant il faut louer ça m'a fait puis devant parce que leur prend décision c'est que on fait des familles qui aiment dans foyer ou prend décision vous dit non l'autre dit non mon ne pas satisfait l'autre dit non et l'autre dit mon non tout monde n'a pas besoin satisfait mais puis devant la réussite du Brésil, c'est qu'il n'y a pas de parents, il n'y a pas de ici, c'est grâce à parents qui fait le réussite. Mais c'est même gens pour ma chaîne YouTube, je dis à eux, ouais, là, il y a assez là, il y a dégagé. Si moi-même, je viens pour me lever, je sens que les difficultés économiques, là, il y a fait face là, et la dégagé, c'est ça que je dis à tout, ils même pas content. Mais demain matin, là, après des chaînes de massa, là, puis tu vas passer chaînes de massa, puis tu vas dire comment il y a des chaînes de massa, ils même eu un sentiment de satisfaction qui est capable d'encourager dans ce qu'on a fait. Magistrat Alexandre Janvier, nous avons pris des décisions toutes bon vrai pour retirer ma chaîne Babé Couillot en face à l'ambassade de France. Et nous avons plusieurs personnes qui demandent pour nous faire un message à passer pour nous. Nous avons toujours une masse avec une sortie machine qui a 20 ans, ça va exister encore. Question de nous cacher toutes les prostituées, ça va en pile dans la chaîne masse. Est-ce que la mairie compte prendre une décision dans ce sens? Bon, moi-même, je pense que la mairie, du concert avec la sécurité publique, avec du concert avec le parquet, du concert avec les délégués départementales, le ça. Nous gagnons un travail colossal dans le pays pour nous garder comment nous sommes capables de contrôler la situation. Parce que aucun pays du monde n'a pas de côté qui est accepté pour le monde à prendre même quand on comprend en Haïti, on va être pour les gens nous-mêmes, étant que l'État n'a pas de responsabilité. C'est parce que nous faisons pour le monde parler à part, pour le monde parler, qui faut nous aller, qui fait nous-mêmes comme dirigeants, nous faisons la responsabilité. Mais nous-mêmes nous disons désormais, nous avons campé des décisions que nous-mêmes nous avons besoin pour nous faire payer à marcher, et nous avons campé des populations qui donnent nos jobs, qui nous mettent à l'État pour qu'il a fait enlever nous-mêmes, nous voulons tout, et l'ambassade de France, pas qu'à là, la mise en question de masse, et puis nous-mêmes, pour nous, comme l'État haïtien, pour nous accepter, nous avons fait ça, obligé devant l'ambassade là, nous avons pris toute disposition pour nous croître la situation. Ok, pas que seulement en bas, les zones de masse, en face de l'ambassade de France haïtienne, mais parce que sur place, quand on a des VR, on a des places là, même, c'est Fabra, nous avons construit net sur place là. Deux places là, mon nommé, c'est très chaud. C'est comme si mon nommé, c'est très chaud. Est-ce que y a des musiques à prendre pour plusieurs places, tout comme Jérémy, plusieurs côtés pour capable de retourner n'importe où dans votre visage? Bon, et c'est une raison que j'aime toujours dire. Là, au monde de la presse, qui est petit, il y a une critique, il ne faut pas prendre une critique là dans ce sens négatif seulement. Moi-même, les matins de la presse, je me dis que la presse, c'est une grosse consultante qui veut gagner, parce que chaque fois qu'il y a une attention sur le bagage, je ne vais pas le courir, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, mais les matins de la presse, je ne vais pas le faire. Comme si c'est une autre qui dépasse, je vais réagir avec rapidité. Donc, moi, je vais me canaliser, je vais me plager, je vais me garantir que je vais délibérer place à vous pour me faire place à retourner saleté dans les temps. Radio Caraïbe FM, quand tu parles à vos magistrats, d'avoir un second mot de vous ajouter, et surtout avec nous qui prenons tout le dans la ligne, nous avons un gros travail qui est fait, tout petit cas qui est construit sur tout le et disparaît, et bien plusieurs écoutent tout, et nous avons de vous intervenir, zone téléco pour moi, pas bon du tout, zone ça qui est sous zone résidentielle, machine téléphone, et bien on va y zone ça. Est-ce que une décision qu'on prend, pour faire mon zone ça, le visage là, j'en sais pas, maintenant. Bon, je pense que l'équipe de communication avec les socialisations de l'UIA, si tu ne vois pas autour, puis on va se faire parler avec nous, pour faire nous comprendre bien fond des questions. C'est pas une question de limiter ma chaîne, d'empêcher ma chaîne de vendre sur toi, ou tu m'as d'empêcher ma vivre. C'est une question de faire Haïti vivre, pour envisager. Mais nous pensons moi-même avec ma chaîne, nous avons une discussion qui n'a toujours rien pour nous faire, parce que c'est une discussion pas crapée là, on a pris la avec une discussion pour nous garder le côté qui nous capable de jouer pour l'autre côté, pour nous capable de relocaliser ma chaîne, pour nous retirer dans l'espace, parce que l'espace ça va faire tout ça, et on a pris une décision ça très bientôt pour nous capable de faire des grandes réunions dans perspective pour nous garder qui ça nous quand même commencé avec ma chaîne. Merci bien le magistrat Alexandre Janvier, et bien qui ça, auditeur, vous voyez, plus général, première occasion,
dans 43 29 77 40 c'est seul côté qui veut population adressée avec l'état haïtien et celle d'une pièce quoi qui gagne mon cap vivre dans zone Rosenberg 2 habitant Rosenberg 2 dans bon repos bloc classe in hôtel yo commencé dans fouiller monde dans zone ça population demandé pour la police capable mettre en place fixe zone là nous ne dire pas capable encore. Je demande pour la police de faire secours. En même temps, je demande pour l'aide à la campagne courant. Nous avons une situation difficile. Nous avons vivre dans la zone de mon commune Kajakmel, la Kaipo, gagné de sel. Nous avons commencé à vivre sous vous, plein rien à cause de bandits qui ont pile problème dans la zone. La population a demandé pour la police de faire un son sabre. L'équipe bandit qui porte de qui casse code à la terre Jacmel. Même la semaine passée, nous avons été pour la Kaipam de Jérémy, de mon casse qui a plein en pile pour les eh bien, et population, la profession, mais pour la police plus vigilant, parce que dans Dieu a déplacé ce problème, quittez votre prince, pour aller marron en pile ville province. Dans le cognon grand bois, population de des problèmes de l'eau, malgré dîner pas testé, fouillon, qui vous montre ça, yo, population, moi, de vous dîner pas continuer à assister, yo. Parce que dans la zone de l'air, dans deux anciens archives là, nous nous plaignons tout à cause de réservoir qui n'a pas de l'eau du tout, yo, moi, de vous dîner pas capable de gérer question ça pour yo. Il y a plusieurs citoyens qui ont en panne, dans le niveau Péguyville, dans le niveau ligne EDH là. Yo, moi, de vous aider, je suis capable de résoudre question ça pour yo. Lorsque nous sommes à 42, nous sommes à 42, après un tour, après une phase d'acquis à l'aide, nous sommes à 42, nous sommes à 42, nous sommes à 42. Il y a une situation difficile, donc ça qui tout le lycée français devient un blackout pour matin. Nous sommes en SAPIC, nous sommes au ministre Agenor Kader, capable de préparer l'école nationale en SAPIC, là, qui est dans un mauvais état, dans une zone moula rose. Situation ça difficile en pile, que nous avons pour l'éducation, une situation difficile. Lorsque nous sommes oui, mandé pour Brissif intervenir question telle, mais arrêter moun qui a monté sur bien privé moun, la justice pas prend temps pour libérer yo. Population Montoui à zone dans la fond, zone le maire, mandé pour la justice est capable de plus équilibrer. Donc la justice s'approche de zone ça. Depuis c'est quelqu'un qui a gros âme dans yo, la police, la justice pas appliqué de yo. Professeur Pronet, Sugo dans Inche, mandé pour Brissif Agenor Kader, capable de briser de yo, l'agent programme ça. Il y a plusieurs citoyens dans bon repos tout, qui mandé pour aider à changer pour yo. Qui sont black out là-bas, en pile problème. Lorsque agent Nord-Dessio, mon organisation, demandé augmentation salaire, nous demandons que Jovenel Moïse soit capable de passer avec eux. Population, ça a dit, une situation difficile. Dans le centre 19, pas bien courant même depuis le mois de mars 2021, population a plein rien. Pas oublier, numéro de la police, c'est 114, 38, 11, 11, 2014, donc pas payé par les soubats besoin. Numéro de CPR, c'est des côtés qui ont un gros accident de circulation. Plein dimanche, fait qu'on décision, 46-51-52-52, 46-52-52, 46-53-52-52, c'est numéro pour capable brûler la police circulation, sur le côté qui bloque tout le monde vrai, va qu'à faire one pot. Et puis, numéro d'une passe, c'est 59-59, parce qu'il y a un bon jeudi sur Caraïbes FM. Merci, Martin. Un bon jeudi sur Caraïbes FM. Mauvaise nouvelle pour Haïti avec Dramsa qui arrivait à hier sous de l'eau pays d'Haïti, non niveau zilé, la tortue. Côté, nous apprenons selon dernier chiffre, 17 moun pour pipiti, pamiyo, yon dizaine femmes tapéri nan naufray sa qui arrivait. L'orti bateau sa qui pote non an selita ta coulé et puis fort nan moun qui te trouvé yo. Sous ti bateau sa, c'était moun qui tape sorti dans marché Saint-Louis et du Nord, président République la Jovenel Moïse, dans un tweet li publié a exprimé la peine li après Dramsa, côté li écrit n'a cité le moins partagé douleur ak parents amis moun Dramsa affecté yo, et le continue pour dire dans tweet là service concerné mobilisé pour joindre moun qui disparaît yo et sauver moun qui toujours en vie avec nous. Un guerrier en direct matin dans le journal là, directeur général la semaine, monsieur Éric Junior Prévost. Oui, directeur Lanky, ensemble avec nous, il faut que nous disions c'est même un message de sympathie. Bon côté chef gouvernement, Joseph Jout, qui est lui-même tout sorti et ils ont communiqué donc pour dire qu'il y a prendre à un pile émotion, nouvelle naufrage, un bateau qui est fait mercredi dans l'île de la
la tortue côté bilan yo selon autorité yo t'es jusqu'à en tout cas communiquer ça 14 morts et c'est un drame qui mettait en deuil population haïtienne particulièrement c'est là qui dans nord-ouest pays chaque gouvernement saluer mobilisation autorité locale yo qui était déterminé pour mettre en œuvre et joindre survivants yo donc li voyez sympathie by famille victime yo ak c'est là yo qui sorti vivant en direct avec nous au directeur général Semana Eric Prévost Junior bonjour. Oui, bonjour Guerrier, bonjour Pierre Renel et bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la Radio Caraïbe. Nous avons gagné un chiffre 14 et matin nous levons à 17. Et quel chiffre exact nous gagnons au niveau de Semana concernant le monde qui est victime d'un naufrage si bateau ça, directeur? Et tout d'abord, et permettez-moi de saluer et parents, familles, amis, tous nos frères et encore une fois, même j'ai avec le président Jovenel Moïse et le ministre Joseph Jout, nous partager et douleur et famille Sayo qui amis et citoyens haïtiens Sayo qui périssent dans mitan la mer dans la journée et hier vers midi 30 côté gain un bateau qui relie Anselita un voilier qui t'a sorti Saint-Louis du Nord pour aller au Figuier dans pointe est de l'île de la Tortue et mais qui t'a fait naufrage à cause de gros vent à cause de gros vagues dans la mer. Et nous saluer parents victimes d'ailleurs et tout d'abord on a dit que n'a remercier toute autorité dans l'État et même dit autorité n'a remercier les gardes de côte n'a remercier représentant Semana dans nord-ouest n'a remercier protection civile et GRCC toute institution au FNAC qui a travaillé là et secours et dans l'ensemble et sauvetage et secours nous dit merci grâce à vous nous arrivons à récupérer plus de 9 citoyens qui étaient dans le bateau ça côté là d'ailleurs il y a 2 filles et 7 garçons et il y a déjà 14 morts que protection civile recensée 13 filles 2 timounes et puis ils ont eu 11 adultes et un garçon dans 13 millions. Mais cependant, faut nous dire que bien 4 autres des citoyens qui rejoignent juste dans la côte ouest là. C'est-à-dire que c'est ça fait que Semana lui-même lui dit près de 17, la protection civile a continué à faire recherche, a continué de nombreux et de l'autre monde qu'il y a continuer à faire recherche, parce que toute la nuit là, tu as une recherche qui t'a fait toujours et dans le cadre de Ramza. Ou préciser c'est gros vent et gros vagues qui la cause naufrage là. Mais dans quelles conditions voyage ça t'a fait? Est-ce que le monde dans la zone ça a voyagé ou gagné comment? Ou gagné sauvetage? Comment voilà la sécurité? Voilà ce qu'il y a, on connaît beaucoup bien un mois depuis que je suis dans le nord-ouest, côté non seulement de rencontrer toute autorité étatique pour nous permettre, pour nous faire, nous être capable de s'annuler les commissions de sécurité, la question voyage, parce que nous avons des informations que voyage est vraiment fait dans des circonstances, dans des situations vraiment difficiles et inacceptables même, parce que dans le domaine navigation en général et sécurité maritime, il y a des normes avec des principes. Eh bien, nous avons constaté, par exemple, auprès de l'île de la Tortue, c'est plus de 14 actes. 15 points de d'embarcation. Maintenant, c'est un bail qui est vraiment délicat, difficile, parce que chaque côté au monde qu'on caille, et puis il décide, bon, les mêmes 100 000, les faire en zone d'embarcation et débarcation. Maintenant, ça vient d'une difficile tâche. Et Semana, qui gagne une ou deux représentants par zone. Nous connaissons bien 77 villes côtières. D'ailleurs, faute de moyens, on n'a pas couvrir toutes 77 villes. Là. Et déjà, pour gagner. Et seulement dans l'île de la Tortue, plus de 14 points d'embarcation. Ça a été difficile et c'est une raison fait que nous sommes allés
port de paix dans Nord-Ouest, côté d'aller samedi du non aller tout et nous parler, discuter avec toute autorité, le directeur et la police Nord-Ouest et commissaire gouvernement et maire magistrat yo et juge etc. des bails comme ça, nous t'ai rencontré et délégué, vice délégué et autres pour nous te joindre nos formules pour nous te résoudre problème et question navigation sécurité maritime dans zone ça. Eh bien une bague drame qui passait c'est que et en dehors de capitaine et de bateau et des marins qui c'est en pile là c'est des récalcitrants et je dirais même des bandits qui ont même appris la vie moun mettait en danger dans mitan la mer depuis yo fait copa yo moun monter bateau yo pas voulait prendre instruction dans main représentant semana yo leur dit parce que représentant semana yo c'est des moun qui reçoivent des formations et qui reçoivent aussi et information sur la mer après chaque jour ça nous les météo marine là et qui c'est yo même qui pour dire est-ce qu'on ca sortir est-ce qu'on pas ca sortir c'est vrai dans période là et nous c'est dans nous dans saison cyclonique mais c'est pas en période côté que et il y a interdiction de navigation mais cependant tout est en représentant Zayo, je vois formation pour qu'on ait qui les bateaux à trop surchargé, qui les et qui s'agit d'un bateau à contre équipement et matériel pour si t'arrivé, il y a un naufrage, ou bien si t'as un pour quelconque danger, on dit que si il y a du feu prenant un bateau, est-ce que bon extincteur, est-ce que son bateau à voile, est-ce que son bateau à moteur, est-ce que le moteur a en santé et en état pour faire et traverser A, est-ce que gilet de sauvetage parce que dans le domaine maritime il faut qu'il y ait autant de gilets de sauvetage autant de passagers à bord maintenant tout ça, mais cependant en dehors de ça, qu'on représente un compte là et puis leur envoie l'autorisation de patence là, tout le monde en règle et puis ils ont exigé tout ce qu'on met gilet, ils ont mis mais quand ils arrivent 10-15 minutes, côté que le représentant a un contrôle, lui encore, etc. citoyens, ils ont même encore retiré gilet de sauvetage là. Et je me rappelle Pierre-Renel René guerrier, à travers le monde presque chaque jour, il y a un accident, il y a un naufrage en mer. Mais c'est ça qui s'arrive généralement les naufrages en mer là. Ce coup toujours vini sauver Mounio parce que Mounio toujours gagne gilet de sauvetage sur yo. Maintenant, gilet de sauvetage va permettre à ce que, ou qu'arrêter une, deux heures de temps, ça dépend de qualité gilet de sauvetage là, le temps que ce coup vini. Mais citoyens, yo pas voulu mettre gilet de sauvetage là. C'est une grosse bataille, nous fait en pile campagne. Est-ce qu'il y a un dos? Gien, Brazo, par exemple, dans le Nord-Ouest, nous l'avons allé dernièrement, nous avons chuté avec une organisation qui est dans la zone, île de la Tortue, même qui couvre presque toute l'île là, qui est au plein en aller. Organisation, ça a mis à disposition, c'est des citoyens et qui sont dans la zone île de la Tortue, qui dans la zone États-Unis, partout dans la Caraïbe aussi, qui forment une association pour mettre gilets à disposition. Et nous-mêmes, dans ces manas, nous allons avec plus d'une centaine, plus de 200 gilets, et la dernière fois, nous pour gagner un mois. Distribuer par différents capitaines de bateaux, etc. C'est-à-dire que nous, même ceux que, qui parlent qui dépendent de nous, de temps en temps, nous obligent à acheter des gilets pour faire des différents côtés que il y a un gros trafic, par exemple la Gonade, etc. Dernièrement, la Gonade, distribuer gilets de sauvetage par un pile capitaine de bateau. C'est pour vous dire que nous, toujours, nous-mêmes, et une bonne association qui est au plein en aller, qui ont même mis à disposition capitaine de bateau, etc. Seulement, ils vont payer pour payer 50 gouttes pour mettre autant de gilets ouvrés dans le bateau hein, à chaque voyage. Maintenant, qui mettait gilets à disposition de mon mais mon n'y a pas mis gilets, il pas voulu mettre gilets malgré la campagne de sensibilisation. Et qui s'en s'est maintenant gagné lui-même comme moyen de déplacement pour aller sauver mon n'y a, par exemple, parce que c'est maintenant gagné moyen, et si mon n'y a fait, j'en dis là, déjà sous de loi, moyen pour être arrivé pour sauver. À qui premièrement, Abdou, que l'homme de la première femme d'acheter trois bateaux pour grâce à un support bid, et il y a un bateau qui arrive dans le Nord-Ouest spécialement, et il y a l'autre côté qui est en Sapit et Maribo, et il y a un dans l'Ouest et qui t'a permis de participer dans ce projet. Mais comme dit tout, il y a un réseau d'institutions publiques et privées, et il y a un GRCC, il y a une protection civile, il y a un l'ordre de côte, etc., qui participent dans le cadre des sauvetages. Et nous formons un réseau privé, des capitaines, bateaux, etc. Là, il y a des difficultés en mer,
c'est mana qu'on prend des coups, par exemple, carburant, etc., selon si des bateaux qui râlent pour tes secours, et que même après nous, ou soit remettre au carburant, ou te dépenser, etc., et bien, il y a comme ça, dans le cadre de sauvetage, je veux dire que côté nous pas gagné un bras, et pour nous aider rapidement nous-mêmes. Mais il faut nous dire d'abord que le Semana, c'est l'autorité civile, mais Semana, c'est les gardes de côte, et spécialement, pour nous dire la police. Maintenant, dans un genre de situation, ça, c'est toujours garde-côte qui vient en support, en renfort avec Semana, et faut que nous dit tout, autres institutions n'ont pas toujours tous les moyens. Maintenant, des fois, garde-côte, il y a une difficulté partout, et ceci, il a participé dans différents soins, parce que il y a des informations que, qui passent dans la rue, passent dans la presse tout le temps, pour nous pas dire ou énumérer combien de naufrages qui viennent à travers le pays de temps en temps. Mais nous toujours, soit venir à temps, et garde-côte, Semana, protection civile, OFNAC, etc., et tout l'autre réseau de sauvetage et de secours en dans le pays, il y a une structure bien établie sous question ça, et pour 9 mounes, pour ne pas dire 11 mounes qui ont à peu près nous sauver là, c'est grâce avec réseau ça. Et même garde côte américaine était gaintant venir dans zone là venir aider nous faire et secours pour nous chercher et pour nous faire recherche et de corps et ou bien de monde de survivants qui t'a dans l'espace. C'est-à-dire que dans l'ensemble il y a des travaux qu'a fait et pour sauver mounio, mais cependant le travail nous vient plus compliqué lorsque mounio même ne va pas mettre gilet de sauvetage, parce que l'homme met gilet de sauvetage là, ça prend du temps, une à deux heures de temps selon qualité, et encore une fois, qui permet que nous puissions porter secours à Mounio. Mais lorsque vous parlez de des gilets, maintenant, vous dites le chaud, vous dites le sale, etc., vous avez un paquet de bonnes bagailles pour ne pas mettre, eh bien, vous mettez la vie en danger, et toujours des citoyens. Vous mettez quoi que vous voulez, c'est pas capitaine Batoua et papa Batoua, et en plus, l'emmène, c'est un espace vide, côté que vous ne pouvez pas prendre un bouquin. C'est-à-dire que dans moins de 2-3 minutes, c'est pas qu'on nage, vous êtes obligé de boire de l'eau, obligé de noyer. Vous pensez que, prend le soin matin hein, et dans l'antenne Radio Caraïbe qui c'est radio qui plus côté dans le pays pour nous souhaiter que tout citoyen qui dans zone côtière dans ville côtière pour comprendre nécessité pour mettre gilet de sauvetage là, parce que c'est seul gilet de sauvetage là, parce que accident yo et qu'arrive n'importe quel moment, n'importe qui le sous taper Google ou après plusieurs accidents faits à travers le monde. Là, dans le mois d'août, là, il y a un bateau qui a plus de 16 militaires américains qui mourent dans la zone Californie. Il y a 7 ou 8 qui sont sauvés, il y a 8 qui ne sont pas retrouvés. Et parce que c'est des militaires européens, malgré, et dans la zone d'entour, il y a un peu de turbulence, etc. Et bien, ça arrivait. C'est pour vous dire que ça arrive accident yo inévitable, c'est une zone qu'on a fait et qui a des situations pâles, des caractéristiques pâles, mais n'importe quelle qualité dans le temps là-bas. Mais cependant, aujourd'hui, il est important pour comprendre que seul ça casse au volant dans le temps là-bas, c'est un gilet de sauvetage. Mais d'accord, mais merci un peu, le directeur. Merci Radio Caraïbe, merci Pierre Ménagené, merci Gardier, merci à tous les auditeurs du tout. Merci un peu, bonjour Jolin. Oui, voilà, directeur général Semana, Eric Prévost Junior, qui tape, et puis sa précision concernant un naufrage, ça, donc, à côté, il y a environ 17 monde qui épèdent la vie, Monsaro, qui tape sorti Saint-Louis du Nord pour aller sous l'île de la Tortue. Situation pas améliorée pour habitants de l'Antivier, la Tibonite. Habitants continuent à faire frais conflit qui gagne différents groupes gangs qui trouvaient dans la zone ça. Et malgré promesses, groupe Savier en effet, population, pour permettre de aller, ils ont souffaillé. Mercredi, c'était gros courir. Et dans la ville, d'un côté, tout le monde tape courir à chercher Timounio, l'école, leur nègre examen qui sortit. Dans le quartier, Savier était envahi. Villa, nous gagne avec nous. En ligne, jeune ça qui c'est Enoch Jean-Baptiste lui-même qui en fait encore voulait attirer attention autorité sous situation difficile ça habitant yo continue à vivre face à présence bandit yo l'état pas jamais fait un rien pour stopper yo. Jean-Baptiste Enoch, bonjour. Oui, allô, bonjour monsieur Pierinel, bonjour et guerrier Diesel, nous saluons tout auditeur auditrice et radio et Caraïbes FM. Maintenant, c'est un plaisir, donc juste
pour moi-même, étant un jeune dans la commune de Petite-Rivière de la Tibonite, juste pour intervenir sur la radio concernant une grande difficulté mon commune de Petite-Rivière de la Tibonite a traversé en rapport ensemble avec les gangs Cap-Gomé et dans la commune. A l'église Capé fait un pile gros dégâts dans la commune. Dans toute la cette journée Cap flané ensemble avec gros enfants de froid et côté qui il y a été fait un grand et action dans l'arrière de marché et la vie toute l'école qui devait à fonctionner. Donc c'est une difficulté qui très très est aggravée dans la commune là côté que depuis 11h donc nextayo ensemble avec zam nan mais yo c'est marché dans toute l'école dans la commune là et marché dans direction fait ouvrir tout élève yo aller côté tout et parents yo qui prend la rue ça pourri et monter descendre juste pour chercher Simon dans la rue dans l'école donc c'est un bagage qui est très terrible monsieur Kerimel donc intervention ce matin c'est juste une demande ensemble avec l'état haïtien qui ça même yo côté fait donc est-ce que avec pas bien rien qui a fait au niveau de commune de Petite-Rivière par rapport ensemble avec toutes informations yo gagné c'est pas bien yo pas gagné information yo connait tout ça qui a passé dans commune non donc mais l'état par exemple est venu juste pour y faire rien. L'on dit Negazam, ça veut dire est-ce que c'est monsieur Bandio ou bien qui est ce? Oui, donc c'est un groupe Neg soi-disant qui propre avait dit sur même cap mettre la paix au niveau des communes par rapport ensemble avec Neg Savio qui toujours a posé pour qui toujours a bail. Gros problème donc des fois je suis toujours et à empêcher mon piquer. Mais yo même yo dit que ça que c'est même qui est toujours empêché avec des espèces ça monter dans cette rivière là. Mais cependant donc yo même non et yo ta fait comprendre que c'est avait dit l'école dans moment pas arrivé fonctionner tout autant ou donc selon ça yo dit et yo pas arrivé tuer au mars. Ça veut dire ce groupe nèg et bois la ville nèg dans Palmeso donc qui mettait tête ensemble donc avait dit qui empêcher activité fonctionner au niveau des centres villes là par rapport ensemble avec toutes difficultés ça yo. Ça passe donc même pour et samedi selon ça yo annoncé dit pièce monde pas arrivé sauté voilà la rue donc nous connaît que dans commune de Petite-Rivière il était un gros marché tout qui c'était hier mercredi ensemble avec le samedi qui se joue marché dans commune de Petite-Rivière donc il annonce marché yo dit pièce marché pas pouvoir fonctionner dans commune là et pour samedi passé donc samedi il y a dans la rue puis c'est déblocage. Quel rapport et mouvement ça a gagné présence nèg exam yo dans ville Petite-Rivière gagné pour demander arrestation Odma à mouvement qui a fait en parallèle la société civile là côté gain de monde professeur professionnel qui a demandé tout pour la police intervenue ou l'état intervenu pour mettre un fin dans la violence qui gagne dans zone là. Donc selon ça yo avait dit apporter selon ça ou dit peut-être qu'on comprend qui avait dit c'est pour nous c'est pour nous abgoumer avait dit faire comprendre que c'est pour et soit disant il y a des pour faire l'école bataille il y a des donc parents élèves l'école bataille je savais dire pour gain yon meilleur encadrement tout donc juste pour monde qui travaille dans domaine ça yo. Mais qu'il y a un problème qui pose donc non sans ça yo tout pas accepté juste pour votre l'école rive l'ouvre même genre donc et lundi à l'école la TC l'école TC était chance ouvrir porte yo t'ai venir faire l'école la lundi à donc mardi yo pas trouvé fonctionner même du tout mais hier mercredi tout est parenté à bien tout monde et même genre donc voyez tout le monde l'école disant et toute l'école qui commence à travailler normalement depuis dans intervalle 10h entre 11h donc il n'est pas arrivé et fait même démonstration pour la remarcher donc il a toute l'école rose d'enfant pour dans mais juste et pour empêcher l'école de fonctionner dans commune donc ils sont mal traités.
Nèg bois la ville nèg tigriffe non ça vient et plus gangriffe et pour pipitien gagnent 3 à 4 hein, et gang connu qui a opéré dans zone ça et conséquence là li vraiment empêcher moun dans zone ça vivre c'est ça qui expliquait mobilisation ça dans mitan population pour ça qui gagne pour avec mouvement qui était fait avant yo guerrier côté et gagnent de moun dans population qui était bloqué route nationale numéro 1 pour demander l'état inter- venu pour résoudre problème ça. Oui, on a mon ça yo, Gilor Ferrandin, tu veux parler à quel nous matin pour expliquer sans ce mouvement yo. Gilor, bonjour. Bonjour et guerrier Jessel, bonjour et Pierre Nérené, bonjour à tout auditeur radio et Caraïbes qui est branché et grand boulevard matin là. Mm-hmm. Donc nous même nous fait partie de population civile là qui pendant plusieurs jours là était bloqué route là pour demander intervention la police hein, pour capable déloger bandits dans Savien et qui a terrorisé population hein. Et comment ça y est jusqu'à présent? Alors, et jusqu'à présent, et pas qu'on gagne que fait, et après et plusieurs années, nous sommes capables de dire, et 3 ans depuis et Gangio occupé et département la Tibonite, nous sommes capables de dire grand noir, malgré nos états sous démarche et pacifique, et nous parler avec les autorités policières, et rien par exemple qu'on fait, et nous fait marche pacifique, hein. Nous par exemple qu'on joigne et résultat et tout le monde connaît et nous sommes capables de balader bonnet là et ou bien grand noir crasé pas gagner et agriculture a baissé ça veut dire nous sommes capables de c'est un département qui s'est grigné pays a et en termes de production et du riz et ça baissé parce qu'on est ça et quand nous pouvons joindre qui est ce résultat pour Yota et écraser gang nan nous toujours dans la même misère, nous toujours dans le même problème. Et seulement on dit qu'il y a un blindé qui empêchait monsieur sortir sur la rue. Hein? Et m'a dit bien non là. On dit m'a prendre d'un blindé qui empêchait monsieur sortir sur grand rue hein, sur route principale là. Et gon blindé qui a peine arrivé mais c'est déjà gon blindé qui est dans le département qui gagne un an et déjà et information nous gagne information nous recueilli et n'a l'état pas gagné volonté pour capable de et commencer depuis sous et président république là prend et premier ministre là ou prend directeur général la police là et tout vient prend et TDA qui c'est monsieur Castro. Il n'y a pas de volonté pour passer l'ordre. Parce que même les policiers ont dit qu'il n'y a pas de l'ordre pour écraser les gangs. Et nous-mêmes, la population, nous avons analysé. Non, et pour qui ça va là? Pour qui ça va mettre là? Non, pas qu'on est, et si c'est pour faire Shelby ou bien si c'est pour courir. Et si on vient dormir, c'est parce que nous devons tirer les écampés. Parce que ça dit, si on vient à 8h du matin, ou aujourd'hui à la ou t'as vu et tout camion t'as campé sous profondé et les gangs ont vu nos camions campés sous profondé on t'a ils ont entré à la machine juste profondé les bons ça ouais des fois dans 5h 6h là c'est du débat après au fin qui et pour des peines dans zone mauvaise qui c'est et oui juste et c'est facile population les écampés ils ont vu une fond tempo mais ça yo pas vraiment par service. Ça y a le cafou paye. 8h du matin, je tourne 10h et demi du soir. Et avant, il est juste mou. Et pourtant, de ça, pendant que ça coule, il y a ODV, parce que le commissariat en deux ODV, qui est organisé le développement de la vallée de la Tibonite, c'est pour ça passé, vous voyez deux ou trois motocyclettes qui coulent. Des ça. Et puis, il y a trois nègres armés, gros âmes. Même je vous dis, nous dit ou bien ouais et chayo ou bien mec qui a zamio zam vin et remplacer ou vin remplacer tout quoi vin remplacer ciment en dedans département c'est qu'on a yo fond dormi mais ça ça c'est comme si on a dit les sous chaque carnaval et yo va mettre jazz sur yo jouer non pas jamais pour un résultat c'est dans problème c'est dans misère
même grand noir ouais moi grand nom pas dit et département la Tibonite parce que route ça zone ça c'est zone qui est grand noir net Port-au-Prince et dans nord dans nord et Port-au-Prince c'est la misère et mouillé jusqu'à présent c'est la misère. OK. Et n'a pas mouvement campé ou bien rien pour nous relancer? Non, mouvement pas campé et parce que Bénévral Seyi joue depuis notre formage pacifique. Je dis à la et nous avons pour une chita, c'est l'État pour qu'on ait une réponse. Nous, l'État pas qu'on fait rien pour nous. Et psychologiquement, nous avons toujours un problème là. Activité déjà de campé, activité économique, tout campé. Et l'école, ça veut dire, en tant que ville Saint-Marc dans l'école là, mais depuis que vous quittez Saint-Marc, vous prenez Ponchondé, vous prenez Mouopey, et puis pour entrer sur un de bois à bien, grand monde n'a pas voulu expliquer l'école, parce que vous grand peuple, vous comprenez que vous avez fini l'école, soit vous kidnappez ou bien vous perdez tout le monde. D'accord. Maintenant, de l'État, nous prenons le fond encore aujourd'hui, il faut qu'à venir. Nous prenons les écrapés. Parce que si vous prenez dans zone Mourodoué, et pour aller en coup, Mourodoué par exemple débloqué là. C'est nous-mêmes qui sommes national numéro 1, nous disons un baillon qui passage. Pour nous, est-ce que l'État a une volonté? Parce que après toute réflexion à faire, nous disons gang ça, c'est gang l'État lié. Parce que l'État de la météo, parce qu'on est prêt à une élection, ou bien à une élection, il y a un temps, mais là, l'État tout. Pour le département de la Tibonite. Comme il n'y a pas d'élection, élection, population, pas penser d'élection. Et population, tout, presque pas penser de l'Indadi et l'Indadi, ça va passer en l'air dans le pouvoir. Population a souffert. Parce que chaque monde, pour rencontrer dans le bas de la Tibonite, dans le grand noyau du la vie réservée avec 24 heures. Parce que les gens tirent. Depuis, nous avons fait plusieurs victimes, nous n'avons pas dit que nous avons parlé. Mais nous avons opéré, nous avons tiré deux yeux fermés, nous avons pris une cartouche, Et puis, nous avons commencé à tirer, nous avons sous la rue, tout le monde a couru. Même nous avons pris des machins, nous avons pris des machins, nous avons tout gagné, nous avons couru. Mais, autorité de l'État, pour voir en place là, président, premier ministre qui est responsable, CSPN, c'est la police là. Et puis, nous avons demandé à directeur Kato, qui est le directeur départemental de la Tibonite, bah nous souffre, sauver la population. Merci. Merci un peu, je leur offre des notes tirer la Tibonite hein, pour parler de situation ça à côté depuis quelques temps bandits empêcher mon circuler dans zone ça. La parler quoi elle est là coronavirus se dépense l'état est fait pendant l'étape épidémie ça oui l'état a dépassé plus passé 34 millions de dollars américains et c'est dans mauvaises conditions hein, pendant période d'état d'urgence sanitaire ça nous t'a cité sans analyse analyse recherche affaires Douamoun CAD dans l'olette tout l'ouvri li voyé bay la cour des comptes organisation Douamoun attire attention Rogaville Boisguené président cour supérieur des comptes là sous 30 contrats qui signent et puis exécutés sans la cour pas même au courant alors que la cour des comptes est bay avis défavorable pour contrat ça parce que norme marché public yo pas respecté ça qui représentait yon zak passation marché public illégal d'après organisation Bamoun qui écrit dans correspondance ça pendant le rappeler il y en a 14 infractions loi 12 mars 2014 dans qui parlait de répression à la prévention corruption qualifié comme corruption cette analyse à recherche dans question droit moun qui mandé la cour on pourra vérifier sous place exécution 30 projets ça yo projet qui écoutait l'état haïtien au total 27 514 dollars américains d'après article 86 sous préparation avec exécution loi financière n'a coûté précision mettre Gédéon Jean lycée directeur exécutif CAD l'était parlé dans micro Johnny Ferdinand.
principale motivation centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, c'est aider institution yo fait travail yo, en particulier la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui a une mission de contrôle ouais, et de vérification des dépenses et donc tout comme l'État a engagé, tout contrat a signé avec l'État ou encore une personne morale ou physique capable pour le compte de l'État. Et les contrats ça de gêne à vie la Cour des comptes, puisque la Cour des comptes fait trois contrôles. Un contrôle a priori, là où la Cour vérifie conformité projet de contrat, un contrôle a posteriori où la Cour garde si tu es bien exécuté et contrat ça eux, et puis un contrôle ponctuel sur place, côté qu'à tout moment la Cour peut se rendre sur les lieux pour constater, pour vérifier la régularité des dépenses, la régularité de l'exécution et de contrat que l'État parti. Donc, dans ce sens, ça, après que nous t'ai fini monitorer ensemble l'action qui posait dans la période d'état d'urgence, là, que ce cadre t'a plaidé pour que l'homme de droits humains y respecte. L'état d'urgence, c'est pour boulevard, mais c'est une période côté que la loi, c'est vrai que prévoit capable de gagner des mesures restrictives de liberté, mais l'état d'urgence, son situation qui est définie par le droit. Donc, nous constatons gagner un contrat de 18 millions de dollars qui est signé avec une firme chinoise et que font ça les décaissés par la BRH, et puis gagner 29 contrats qui totalisait 8 millions de dollars que la Cour des comptes baille 29 avis défavorables. Or, tous ces contrats, ouais, et ils n'ont pas préalablement soumis à l'appréciation de la Cour pour avis. Autrement dit, selon l'article 85 de la loi sur la préparation et l'exécution des lois de finances, donc tous les projets de contrats qui engagent l'État, ils doivent soumettre à la Cour pour avis. Donc, 29 contrats, ça, ils viennent soumettre à la Cour côté que font décaisser. Ils n'ont pas soumettre préalablement à la Cour. Mais contrat 18 millions de dollars ça qui est exécuté et que l'IPAGEM jusqu'à présent la Cour beaucoup touchée par ça. Donc au total c'est 27 514 000 dollars contrat ça a totalisé. Donc on a rappelé que gagné plus de 34 millions de dollars qui dépensés pendant état d'urgence. Donc vu que la Cour lui-même a constaté que contrat ça n'a pas respecté le principe de passage sur le marché public, là, lorsque des contrats ils ont conclu, l'État a signé ou bien autorité locale ils ont conclu des contrats, ils ont dépensé comme citoyens et que contrat ça a fait en violation des normes et procédures de passage sur le marché public, et bien ça les corruptions au sens de la loi et portant prévention et répression de la corruption. Donc c'est la loi du 12 mars 2014 qui définit 14 infractions comme corruption. Ou gagner passation illégale du marché public, ou gagner détournement de fonds, ou gagner trafic d'influence, ou gagner enrichissement illicite, etc. Donc en fonction de loi ça, eh bien, nous dit la Cour des comptes travail ou pas fini. Et puis nous continuer. Donc il y a aussi la loi sur la préparation et l'exécution des lois de finances. Donc, c'est la loi du 4 mai 2016 qui est publiée dans le Moniteur le 1er février 2017. Ok, donc qui dit que depuis gagner eh bien soupçon de corruption, ok, dénonciation, etc. Eh bien, la Cour capable de faire un contrôle sur place. Ok, donc c'est pas un contrôle sur papier parce qu'en général la Cour fait un contrôle sur papier. Donc c'est contrôle sur pièce. Donc, je lis rapidement l'article 86 qui dit ce qui suit. En cas d'acte de corruption, la Cour peut procéder à des contrôles inopinés et ponctuels sur place en vue de s'assurer du bon emploi des fonds gérés par les services de l'État, les autres personnes morales du droit public ou encore celles soumises à son contrôle. Donc, là, gagner corruption puisque contrat au passé de façon illégale et pas respecter normes de passage sur le marché public, d'ailleurs, c'est la Cour qui dit dans ses avis défavorables, et bien nous dit la Cour pour aller sur place pour vérifier est-ce que le contrat ça a été exécuté pendant la période d'état d'urgence. Donc voilà, l'essentiel c'est ça. Maintenant, pour la période de l'état d'urgence, écoutez, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai pu moins préciser l'immunitis, l'urgence est régulée par le droit. L'État peut simplifier la procédure, par exemple, en période d'urgence, bien, on sait, écoutez, qu'on est capable de faire un contrat ou capable de faire un appel d'offres sélectif, côté qu'on va faire un appel d'offres qui est ouvert, faire un appel d'offres sélectif, autrement dit, pour sélectionner les entreprises. Est-ce que tu es sélectionné les entreprises? Non. Et bien, dans certains cas, au café, on compte, au café, on compte à lui gré à gré, mais faut qu'on respecte les procédures. Ça, c'est le premier bagage qui n'est pas fait. Deuxièmement, faut qu'on ait avis la Cour des comptes. Tous les comptes là engagés, l'État doivent avoir l'avis de la Cour des comptes parce que l'État est un et indivisible.
Maître Gédéon Jean, rapport Petro-Caribéen, Premier ministre Joseph Jout a souhaité ces noms vrais, monde qui gagote l'argent Petro-Caribéen, qui citait dans un dernier rapport à la Cour des comptes, chef gouvernement, qui précisait li EPACO li document confirmé convocation en urgence yon conseil gouvernement pour prendre connaissance document ça et puis fournir explication nécessaire même Jean en ministère planification fait pour PAC sportif yo Joseph Jote dans micro Reginald Rémy. J'en profite pour remercier la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour m'avoir envoyé le dernier rapport hier après-midi. C'est un rapport assez volumineux que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Mais j'espère que ce rapport pointe clairement du doigt les vrais dilapidateurs, bon, pas qu'à dire volets, vrais volets, les vrais dilapidateurs des fonds de Petro-Caribé par le pays en a grand besoin pour renforcer l'agriculture, augmenter la production nationale, les projets électriques, agir en santé et en éducation. Après avoir reçu le rapport, j'ai convoqué en urgence un conseil de gouvernement à l'extraordinaire au cours duquel j'ai instruit tous les ministres de prendre connaissance de ce rapport dans un bref délai, chacun en ce qui le concerne, en vue de fournir toutes les explications nécessaires, comme l'a fait le ministère de la Planification et de la Coopération externe pour les parcs sportifs. Tous les documents doivent aussi être disponibles aux besoins et à la disposition du grand public. Plus précisément, le Sénat de la République qui siège en permanence, parce que le rapport a été remis au Sénat de la République. Le Sénat peut appeler n'importe qui à n'importe quel moment pour venir fournir des éclaircissements sur le rapport de la Cour supérieure des comptes. Je terminerai mes propos en remerciant la police nationale pour tous les efforts mis en œuvre dans le cadre de l'opération Terminator qui commence à porter fruit. Et tout le monde est unanime à voir que la police a travaillé. Je vous un gros coup de chapeau à tout policier, toute policière, pour le travail qu'il a fait. Il y a un bandit qui a été qui a le bois chat. Merci, bon Dieu. Moi-même, mon côté, je travaille pour m'améliorer les conditions de travail policière. Nous avons des populations pour ne pas s'y tirer bandit, bon côté. Au contraire, il faut allonger le doigt sous vous. Vous êtes photo à la police. Cachez, faites photo, vous êtes à la police. Pas s'y tirer bandit dans l'environnement. Parce que petit mouton a tourné bandit parce que dans la vie, sans fréquenter, c'est lié. Remise rapport à la Cour des comptes à contentieux administratif sous gestion de l'agent Petro-Caribé à Baye Sénat République. L'ancien sénateur Francisco de la Cruz félicité juge la Cour des comptes, ancien parlementaire, estimé qu'il prend courageux à demain pour produire dernier document ça sous dossier ça. Ancien sénateur Plateau Central l'a rappelé, juge la Cour des comptes produit rapport à Vledi, yo fini, ça pas Vledi, yo fini sous affaire ça. Francisco de la Cruz estimé la Cour ou adoué travail pour prendre arrêt de bec contre tout le monde qui est non cité dans le document. Sa ancien sénateur Francisco de la Cruz, dans le micro, Wenchel Adrien. Je remercie la Cour supérieure des comptes parce que depuis des années que la Cour supérieure des comptes existait, nous avons dit pour la première fois qu'il y a un travail aussi extraordinaire. Donc, je pense que nous pouvons voir et vivre ensemble partie de notre haïtien pour nous capable de remercier pour le bon travail que vous faites et maintenant acheminer le Sénat de la République pour les suites nécessaires. Même là, nous connaissons que peut-être le Sénat est un petit peu amputé, semi-handicapé, et même ça, ce qu'on a fait, c'est remettre-lui à paquet pour que paquet lui-même fasse les suites nécessaires, parce que là, c'est la justice. Mais pendant que n'a félicité la Cour supérieure des comptes pour le travail effectué, réalisé, et on travaille aussi volumineux avec presque tous les détails, donc nous comptons ça. Mais il faut nous dire tout, gagnons un manquement très grand aussi. Parce que l'on fait suite, yon, voyant la justice, premier savoir où sont les arrêts de débat. Parce que nous-mêmes, c'est finissement qui remercie. Ce n'est pas le début, ce n'est pas le milieu du travail, mais c'est finissement. Maintenant qu'il y a là, il y a un gros travail que la Cour supérieure des comptes vient pour faire qu'il y a là, c'est dégager le comité de Jean-Jacques pour faire les arrêts de débat sortis. Naturellement, il faut me dire que, déjà dit tout au début, depuis que la Cour supérieure des comptes existait,
Donc, a dit que bon travail aussi valable qui vivait fait, mais nous toujours gagne même souffrance ça avec les débats, mais il y a pas jamais pratiquement produit aucun arrêt de débat. Donc, et surtout dans le dossier ça, un dossier vital pour la nation, côté toute une soif information, côté toute une soif vérité sous tambour, sous cob qui gaspille mal, côté que nous avons payé ça pendant des années, des générations en génération. Donc, c'est normal que n'a pas tant que, au sujet de compte, faire le suivi, et puis laisser ça qu'on dit chapeau bas. Donc, final, dit 0 à 5, mais ça nous a dit 4 points sur 5. Voilà ce que, au de compte, il veut réaliser. Donc, c'est ça, n'a pas tant qu'il y a là, pour que nous-mêmes, nous capables de dire bon, nous avons information, nous. Il y a ensemble militants qui disent qu'ils opposition, fait qu'on n'a pas aucune importance à la démarche président de la République pour mettre campé un nouveau conseil électoral. Alors, ce que vous regroupez dans la structure ça, qui baptisait Unibaz, militants, ça y croit, manœuvre président de la République n'a pas abouti à aucun résultat. Pas gagné aucune élection qui possible à Jovenel Moïse au pouvoir. D'après, il y a une membre organisation ça qui profitait annoncé un sit-in jeudi devant la Cour des comptes pour exiger gagner audit qui fait suggestion. Même conseil électoral provisoire, Yohan Côté, déclaration Simon Samedi, qui est dans le micro Caraïbes FM. Je dis à là, élection pas possible à bord de ça. Et Unibaz profite du tout que troisième tranche à bord de Caraïbes montre à clair que l'équipe Jovenel Moïse, là, encore une fois, impliquée, noir sur blanc, non volé l'argent pays. Donc, est-ce que Mounsaïo nous a l'élection à bord? Nous dit non, élection pas possible à bord de ça. Élection impossible. Lorsque nous mettons d'accord toute force du pays, organisations sociopolitiques, secteurs conséquents de nos sociétés, à mettre d'accord sur un consensus politique qui trace un pacte de gouvernabilité qui va la toucher une conférence nationale, Jean-Docteur Chineur Delpétil, et cette conférence nationale, ça ne va pas du tout, qui modèle système judiciaire balgayen. Lorsque nous connaissons le président de la République, il a dit clair qu'un ancien patron, qu'un ancien gouverneur, qu'il a fait déclaration pour le dire, ou bien dans la sénatrie, que dit qu'il était forcé de nommer 58 corrompus. Lorsque l'on est tout en extrême judiciaire, la nommé une justice, contre le commissaire du gouvernement, même le régime ça, c'est évoqué pour immoral, c'est évoqué pour incompétent, c'est évoqué pour une job, je dis à la, pour qu'elle commence, le député ministre de la justice. Nous, au niveau de base, la population haïtienne, dans la même logique ça, nous pensons que troisième tranche d'enfant ça, ils seront au bout. Sortiment en 2010 pour arriver mai 2020, l'État perd du 113 507 527 501 gourdes, d'après rapport enquête du CREF ULCC avec IGF réalisé sous quantité d'argent l'État perdu dans affaires importation produits pétroliers dans le pays. Trois entités saillent ont fait diverses recommandations à l'autorité concernée pour éviter l'État continuer à faire déficit. Parmi eux, plus transparence dans le prix produits pétroliers, l'État doit prendre contrôle. Importation de produits pétroliers, augmentation capacité stockage de produits pétroliers sensibles. La commission a souhaité gagner un bon genre de disposition qui prend tôt pour approfondir l'enquête là pour arriver fixer responsabilité. D'après le Premier ministre Joseph Jot, qui était dans le micro régional de Rémy. Les gains des compagnies pétrolières sont passés de 29 millions de dollars avant la libéralisation à 71 millions de dollars pendant la libéralisation, soit une augmentation de 82%. Pendant que les compagnies pétrolières prospéraient sans se soucier du bien-être collectif, l'État, quant à lui, continuait à accumuler les manques à gagner. Sur les 10 dernières années, le manque à gagner de l'État culmine à plus de 113 milliards de gourdes. Notaka dit, sorti bail, imbécile qui pas prend. L'État est toujours là. Nèg yo se business a fait, yo pa tal fourre main nan poche personne, nan poche l'État. L'État te absent, jamais gel, yo dormi sous l'État. M'a profité, voyons un gros coup de chapeau pour président Jovenel Moïse, malgré tout si yad, tout zok lo lapon, qui choisit ouvert gel comme l'État pour freiner hémorragie. Cependant, il importe de souligner que le maximum local sur la période, soit plus de 39 milliards de gourdes, a été atteint au cours de la période de libéralisation entre mars 2019 et mai 2020. Ces 39 milliards de gourdes représentent en moyenne 46 fois les dépenses en agriculture. N'a pas compris pour qui ça agriculture va représenter rien encore dans le pays et que n'a
commandé même Cocoyen en République dominicaine pour 17 millions de dollars. 5 fois la dépense en éducation, professeur pas qu'à toucher, yo pas qu'à bas augmentation, yo pas qu'à nommer, yo. C'est parce que l'argent pays a l'a dépensé, l'a gaspillé, l'a grossi poche en pile monde, que c'est monde qui c'est dans le secteur privé, que c'est monde tout dans le secteur public. Parce que faut d'accord que dans le secteur public là, on bande sous-bricat qui est là pour assurer pérennisation, richesse que en pile monde a fait. Devant cette situation, l'État ne peut rester impassible. Les distorsions du marché doivent et vont être corrigées sous le leadership du président de la République. C'est en ce sens que le rapport recommande le renforcement des capacités du BMPAD, la transparence au niveau des prix des produits pétroliers. Les prix des produits pétroliers à l'importation doivent être connus de tous. Parce que affaire pétrole, ça, son chaîne de perte. Si je veux acheter du riz ou bien foie ou bien l'huile pour me manger, je vais juste taper ça sur Google, je vais prendre prix du riz, prix poids. Et là, ça, je vais choisir qu'on est, qui prix je vais choisir. Et là, je vais vendre du riz, facilement, je vais avoir des bénéfices ou faire. Gaz, ça, pas comme ça. Son bagage qui est extrêmement opaque. Et c'est pas pour Haïti seulement, mais pour tous les pays du monde. Sauf que notre pays, l'État l'ouvre. L'accès par l'État via le ministère de l'Économie et des Finances aux différentes bases de données relatives aux indices utilisés. La suppression des intermédiaires lors des importations. Président Gonjanrelé, oui, et M. Pourcentage. Parce que ça, l'État gagne pas qu'à acheter directement. Même qu'à acheter directement en tant qu'individu, ça, l'État gagne pas qu'à faire. Le commissaire recommande aussi la reprise totale par l'État haïtien du contrôle de l'importation des produits pétroliers, incluant le propane. Moi, quand je suis monté là, je suis si bon, je suis blé. Je suis jamais payé 85 dollars, alors 400 et quelques euros. L'autre jour, là, je suis passé, j'étais payé 750 euros pour le plein. Même si bon. L'augmentation de la capacité de stockage des produits pétroliers, c'est un produit sensible et stratégique. L'approfondissement de l'enquête sur toute autorité compétente afin de fixer la responsabilité pénale des personnes physiques et morales. Premier ministre Joseph Joute, c'est piti à moyenne entreprise qui crée conséquences passage, qui paye conséquences passage pandémie coronavirus la gagne sur l'économie haïtienne, association qui baptisait ses business PAM des gouvernements pour agir pressé pour aider PMEO, responsable ses business PAM non estimé, placé les plus passé nécessaire pour gagner un support financier qui est accordé à jeunes entrepreneurs qui étaient prêtés pour renforcer l'entreprise originale. La douceur recommandé un élargissement différents programmes pour encourager jeunes yo lancé dans entrepreneuriat. En côté plus précision avec Réginal La Douceur, l'économico Jean-Paul lundi. Après plus passé deux ans depuis que nous avons connu crise dans le pays, crise pays loc, crise insécurité, venez ajouter sous crise coronavirus qui pédit dans tout ça que nous connaissons pendant trois dernières années. Nous mettons tête nous ensemble dans l'association pour que nous fassions plaidoyer pour nous dire l'État haïtien, dans le budget qui a préparé pour l'exercice fiscal 2020-2021, pour y penser ensemble avec PME. PME, c'est eux-mêmes qui motent l'économie. PME, c'est eux-mêmes qui ont créé le travail dans le pays. PME, c'est eux-mêmes qui ont fait le pays à vivre. Donc, proposition nous qui est aujourd'hui claire, proposition PAM, sous panel ça, qui concerne les jeunes, c'est simple. La majorité des gens qui vivent dans le pays, c'est jeunes. Et les grandes crises, c'est jeunes qui frappent plus. Donc, les jeunes qui frappent, solution qui a baillé de tenir compte de secteur ça, de majorité ça. L'État a parlé après décision, il a oublié ça qui est les jeunes dans le pays. SSB fait plusieurs propositions capables de courir, relancer l'économie après COVID-19 qui a impliqué les jeunes. Tant que, bon programme d'appui qui est lancé pour PME, en particulier PME qui est géré par jeunes. L'entraîne d'un ministère de commerce, bon jeune qui dit la faire business, deux bon accompagnement, un incitatif pour accompagner, pour encourager le rété. Sinon, jeunes, ça, il y a toujours fait, même gens, c'est quitter le pays. Dans le programme, ça, nous demandons pour avoir un fonds de risque qui mettait. On jeune qui a la cap faire business, si bon cob nan qui décide d'investir, qui garantit que le gain après une période de COVID-19, qu'il va rentrer au bout, que l'État capable d'accompagner s'il te font prêt dans la banque, s'il te font prêt quelconque qui mette business en danger. Deuxièmement, nous demandons pour un programme massif de stage et de recrutement de jeunes diplômés de l'administration publique. Là. Il n'est pas possible pour l'État à payer l'université pour un pile jeune, payer voyage étudiant à l'étranger pour que l'air vienne,
yo pas même qu'à mettre compétences au service de l'administration publique qui en dégrabat. SSVP m'a dit tout, faut que l'État renforcer des programmes qui déjà existaient. Nous connaissons un programme au niveau du ministère du Commerce qui c'est PAPEJ. Nous demandons que le programme ça y renforce. Il y a des résultats concrets. Il y a des informations pour que tout le monde soit capable de connaître qui impact le programme ça a pour les jeunes qui font business. Nous encourageons BRH récemment qui a lancé son programme côté que le bail 2 millions de jeunes avec 12 entreprises jeunes. Et l'activité ça a été faite dans le cadre de l'Union internationale jeunesse. Nous demandons pour que le programme soit fait plus souvent et que y ait plus de jeunes qui participent. Il y a plus d'argent pour les jeunes intéressés dans le pays. Donc, nous demandons l'État pour accompagner les jeunes entrepreneurs, encourager PME, nous-mêmes, nous faisons une fois. Un jeune actuellement là, qui investit 5 000 $ en 2019, qui a soit acheté un matériel ou bien qui a loué un caille pour faire business, taux était environ 90-92, qu'on est à taux à 120, taux de change. Et dans le fin d'année, il est passé à 150. Donc, imaginons un jeune qui a pour renouveler une location que le défait. À 92 gouttes pour $1, qu'on arrive à passer à 150 gouttes. Donc, il y a une augmentation de 60 000 $ haïtiens sous seulement un caille qui est un jeune. À qui ça n'a pas de jeunes pour faire business dans le pays? C'est que jeune, ça, il va raconter sur un fonds de risque que l'État met des autres. Caraïbe FM, 6h39, nous prenons le rejoindre correspondant nous, Walker Juvens, Clavel, pour donner information sur le naufrage ça, puisque selon correspondant nous, chiffre est différent, hein, bon côté et chaque autorité. Clavel, bonjour. Bonjour, Gagné, bonjour. Allô? Dans le département Nord-Ouest, nous connaissons la radio Génération 80-88.9 qui est le journal là, qui permet tout le monde Nord-Ouest à ce journal là. Effectivement, il y a eu capable de chiffres différents et bon côté autorité après nos frères à reconnaître qui fait hier. Il y a des bateaux à voile qui t'a sorti dans la commune de l'île du Nord qui t'a prendu au filier dans la tortue. Eh bien, à bord du bateau avant ça, il y a plus de 73 personnes là-dedans. Et nous, on a parlé en un bon côté protection civile. C'est 14 morts jusqu'à présent. Au flac, t'as fait, on connaît qui gagne. Et responsable protection civile, t'as fait de prêter depuis hier, gagne, garde côte américaine, qui sont là, mais hein, y'a des chaloupes, y'a des hélicoptères. Mais information, y'a pas évolué bon côté protection civile qui parlait de 14 morts. Alors que bon côté, par commissaire, gouvernement pour le faire, nous te rejoignons par téléphone matin, hein, ni parler nous de 30 de morts. Mmh. Oui, alors? Oui, bien, bon côté, commissaire gouvernement, nous dit que ni parler nous de 30 de morts, alors que bon côté, protection civile, il parlait de 14 morts toujours, et protection civile qui est en contact avec gâteaux américaines qui sont la mer, dans un moment, et n'a parlé alors. Nous dit, et gagné et côté côté au nord-ouest ils ont livré à eux-mêmes c'est pas pour la première fois j'en ai et nos frères sont arrivés n'a pas bien que dans moi meilleur gagné et gagné un bateau qui s'est coulé comme ça et autorité ont serré information ça et ont parlé de plus de 40 morts et nous pensons que autorité au département nord-ouest là que c'est posé par responsabilité pour yo garder dès que bateau ça eux-mêmes il a quitté port pour yo faire tout inspection sur bateau ça pour que nous suspendons et enregistrer Jean de Cassaro gagné du sel. Voilà. Mais merci un peu, le Clavel. Merci. Voilà, Walker Jones Clavel, le correspondant permanent à nous, qui tape à nous dernier chiffre, donc chiffre qui est différent, hein, bon côté autorité, au sous naufrage. Ça, nous allons parler avec garçon Webster, Sauvel et du Morné Ronald, deux qui c'est deux étudiants hein, qui étaient à la formation ou bien qui étaient à l'étudier gestion et pour l'aller en aide. Hein, c'était dans le mois août 2018 et ils étaient retournés en Haïti 23 octobre 2018, mais depuis lors, pas qu'un rien qui fait pour te permettre que yo mettez connaissance yo en application sur le territoire national. Monsieur, bonjour. Clavel d'abord, bonjour. Bonjour, monsieur Gavier, bonjour, et auditeur. Dis-moi, bonjour. Bonjour, monsieur Guerrier Zessel, bonjour Pierre Lenvini, bonjour tout auditeur et auditrice Patio Caraïbe. D'abord, comment ça a été fait et sur ce qui base choix ça a été fait, nous 15 qui t'a le point formation ça, c'était concours, comment ça a été fait?
Bon, en réalité, c'est pas un concours qui est fait, mais il a été choisi nous sur base de compétences. Étant donné que bien nous, puis, par exemple, moi-même qui parle, ingénieur agronome, je suis spécialisé dans la production animale, et du moment où on a été ensemble avant tout, c'était un juriste. Et parmi nous, il y a un professeur de l'école de plusieurs autres pays, des groupes de monde qui fait partie de plusieurs organisations qui ont fait choix de nous pour étudier gestion de poulailler en Inde dans l'objectif de nous retourner pour permettre à ce que nous puissions mettre service nous pour nous puissions servir pays. Dans retourner de servir pays, c'était un objectif de 1 million d'œufs et qui jusqu'à présent, ça n'a jamais atterri. Allô? Oui, oui. Oui, oui, la communication a été coupée de temps en temps. Au dit objectif, là, c'était 3 millions d'œufs. Ça veut dire que c'est nous qui avons produit. Oui, c'est nous qui avons venu. Et puis, et dans le département nord-est, nous avons une ferme qui a monté. Côté nous avons produit 3 millions d'œufs par jour. Parce que nous avons, avec la production nationale, nous avons prévu, si nous produisons 3 millions d'œufs par jour, tout au moins nous avons produit une partie dans le territoire national. Là. Je fais voyage ça. Qui est l'institution qui t'a facilité nos bourses là? Et on bourse qui t'a sorti directement de la présidence. Écoute, là, nous retournons dans le pays, là, nous avons des difficultés pour nous intégrer. Nous, qui s'en a demandé? Non seulement nous avons des difficultés pour nous intégrer, nous, et nous avons des pressions tout qui oublient. Comme ça, ils oublient nous. Et nous avons un stage qui était allé de 3 janvier jusqu'au 31 mars. Jusqu'à présent, il n'y a pas jamais honoré nos stages là et nous avons contrat dans nous. Il dit que pour taper nous pour stage là, il n'y a pas jamais payé nous. Ensuite, il n'y a pas jamais intégré nous dans rien. L'agriculture, l'un d'a parlé à nous, allé sous l'obédience et ministre en grand, c'est sous l'unité passé, nous sommes allé, c'est l'unité ministre de l'agriculture à l'époque. Et bien, jusqu'à présent, ministre n'a pas jamais dit nous rien et ministre ou ministre pas jamais dit pour nous. N'a pas de plus. Yo honoré nous non seulement contrat et intégrer nous tout parce que pour ça besoin intégrer nous Haïti a souffri, tout le monde a souffri et n'a souffri pour qui parce que production nationale le très très bas à ses œufs chaque année dans même République dominicaine c'est 2 millions de dollars nous même nous gain capacité pour nous produire nous ville là pour produire nous ville là pour travailler et nous c'est deux jeunes si toutefois nous pas intéressé à pays là l'heure te ban nous bousson d'aller à nous te passer États-Unis puis pendant nous t'a pris. Après un côté, je m'a parlé avant la guerre. Si c'est un qui a moyen pour m'arrêter aux États-Unis, je vais choisir de retourner là pour vivre dans le pays. Si je vivre dans le pays, je vais mettre connaissance que j'ai en valeur pour le pays. Et si le pays me travaille, je vais payer tout. Et si c'est jeune, bien sûr, je vais souffrir de ça. L'un de pas, c'est une petite activité, nous c'est un petit bagage que nous avons fait pour nous aller, pour nous aller en aide. Et là, nous retournons, nous ne pas tourner, nous ne sommes pas faire encore. Parce que, bah, il y a l'autre qui besoin de travail, il y a au travail, une place pas. Donc, du moment donc, ferme ça, hein, qui t'appelle fait, qui t'appelle produit environ 3 millions de par jour là, c'est l'État haïtien qui a pris l'engagement pour te faire? Oui, c'était l'État haïtien via le ministère de l'Agriculture et la présidence qui te permet de nous réaliser. Côté Haïti, 25 août 2018, et nous sommes dans le pays à 24 octobre 2018. Et c'est dans l'objectif, ça, nous-mêmes, nous sommes retournés à la formation pour nous faire des services dans le pays. Malgré nos réunions par l'organisation de l'ESPAC, qui sont des recherches de formation agricole, et nous avons gagné comme projet pour nous être capables de créer une ferme agricole moderne qui respecte toutes les normes internationales, juste pour nous faire des formations à l'autre monde et ensuite, capable de créer un ferme côté étudiants de l'université capable de faire ça. Parce que ça nous sommes apprenants aux différents de ça qui a fait en Haïti. La différence là, parce qu'il y a un terme de biosécurité qui va y respecter la poulaille. Nous, lorsque nous vivons pour nous avoir un malade, nous-mêmes, nous pouvons nous résoudre tout problème qui vient à ouais, à poule, répondez et poulet de chair. Mais jusqu'à présent, lorsque nous arrivons en Haïti, le ministère est en grand, lui-même qui accompagne nous. Damien, qui les a nous comme ça, il va travailler avec nous, mais depuis des ans, nous venons en Haïti là, pas jamais eu un appel que nous recevons des autorités. C'est raison ça qui fait que maintenant, nous sommes obligés de nous faire du Caraïbe pour nous mettre au courant, pour nous dire gouvernement haïtien qui nous accompagne, nous encadre, nous pour nous que nous mettions à nous.
Ok, mais nous pas dans quel projet que nous monter et par exemple nous-mêmes qui bon. Est-ce que nous réunir nous est-ce que nous obligés à rester dans l'État comme si vous voulez dans le plan formation hein, ou bien il y a une intention nous-mêmes montons projet et à le fond nous monter un projet qui vient la cap vient là dans un centre de recherche côté pour nous faire recherche sur maladie polio sur manger polio et ensuite qualité pour poussin qui a venu avec Haïti qui en fait nous constatons pile pour l'aïe par une bonne qualité poussin qui veut dire que nous font pile perte dans question taux de mortalité et l'autre bagaille encore nous chita avec autorité pour nous essayer de faire projet ça passe nous la de la donner ferme expérimental après ce que norme international parce que ça fait ici différent par rapport à normio ensuite nous chita avec groupe sénateur, nous sommes avec les délégués départementaux, nous sommes avec les directeurs départementaux et agriculteurs. Bon, pas dans un qui marche. Nous avons deux ans là, nous avons marché souvent devant eux pour aider nous. Même si le projet qui a fait son programme, nous ne sommes pas jeunes, nous ne sommes pas jeunes de participer, ni nous ne sommes pas jeunes de organiser. Nous sommes dans la radio, dans la télévision, nous avons tenté qu'un programme papège se pose à 3000 personnes, à 200 personnes. Bon, nous ne pouvons pas jamais participer dans eux parce que nous ne pouvons pas avoir information. Et nous avons dit que nous sommes le premier et président même avant nous aller le 25 août 2018, nous sommes avec le panel national. Il a déclaré que c'est le premier groupe étudiant qui va étudier, qui va tourner dans le pays et le premier groupe tout qui va faire le travail une fois arrivé. Mais nous sommes deux ans là, pas jamais rien qui fait. Pas grand effet. Ok. Non. Bon, maintenant, et projet ça, par exemple, nous monter là, est-ce que source de financement, nous, par exemple, nous pas que on a, par exemple, parce que on a baillé, même on est baillé 50 millions, 60 millions, 70 millions, même, pas nous, en combien liés à combien nous même pas nous, l'été monté 23 millions, gouttes, nous gagnons ferme, qu'a bien la donne, et 6 000 pontes. Et qu'a gagné en quantité pour les déchets qu'a fait chaque 2 mois, n'a gagné en quantité qu'a monté par exemple dans un période de 3 ans. Et nous pas un projet d'exemple là, mais ça nous gagne, nous était à 23 millions parce que dans 23 millions, ça, c'est même comme ça à encore pour gagner l'autre période, gagner l'autre année, qu'a gagné mieux, d'après produit encore, jusqu'à nous mettre dans le niveau donc l'exercice. Donc ça veut dire que ça, son petit bagage, on a été cabane, non, parce que si on a baillé 70 millions, 50, 60 millions, ouais, ça a été capable de prêter nous ça. Nous-mêmes sommes groupes hétérogènes, comme nous ça, parce que nous avons un peu de monde qui vient de l'autre formation, par exemple, moi, je ne suis pas là, nous avons une certitude en droit et ensuite une volition de gestion. Et nous avons plus l'autre monde encore qui gagne un niveau maîtrise selon l'information capable de mener le projet à bon port. Ok. Oui. Ok. Ok. On a pas fini. Nous, on n'a pas adressé nous matin là à qui est-ce dans l'autorité ou dans l'État? Nous adressons nous directement à ministère de l'Agriculture et nous adressons nous directement tout à présidence, à la présidence qui te permet de nous réviser. Ok, on espère que vous t'aidez et après elle réagit. Merci en pile, garçon Webster Sauvel et Dumorné. Ronald, garçon, par contre, nous t'as pas ajouté dans 30 secondes. Dernier baril, nous t'as ajouté, nous dit que ça son première phase pour nous, oui, ça son première phase. Donc, radio, en attendant pour nous faire attendre voir nous. Deuxième phase, si toutefois, il n'y a pas attendre voir nous. Si c'est dans la phase sitting, nous avons passé dans la phase sitting, pour que nous fassions autant de voix, nous. Parce que nous sommes deux professionnels. Nous décidons de travailler pour payer nous. Si nous décidons de travailler pour payer nous, pour payer nous, utiliser nous, et travailler pour nous. Merci, merci Guerrier, parce que à nos matins, nous pensons que l'autorité est haute. À écouter Radio Caraïbe et il y a plein d'autres de ça nous dit, il faut s'écrire à page. Voilà, merci un peu, monsieur. Donc, c'est merci, monsieur Guerrier. Merci, Radio Caraïbe. Merci.